nouvelle est M. Plouin. Plouin? Plouin. 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 Ah, parce qu'on disait Rimousquoi. 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 Plouin. Rimousquoi de Rimousplo. Rimousplo. Mais si je vous demande si vous connaissez le spornographe, est-ce que vous dites quelque chose? Le spornographe. J'ai connu le pornographe. C'est pas loin. Pas loin, où? Mais il n'y a rien de pornographique dans ça, parce que si on écrit spornographe santé à sport, là, on tombe sur un site que tu ne voudras plus quitter. Mais qu'est-ce que c'est, ça, ce site? C'est quoi le site pornographe? Spornographe. Vous faites vous-même l'erreur. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un site Internet où on fait de la satire journalistique sportive. Vraiment, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est où les journalistes sportifs font un peu des erreurs, les lapsus. On se rappelle, il y a quelques années, les fameux péronismes de Jean Perron. Il ne faudrait pas se tromper. Il n'y a pas que Jean Perron qui fait des péronismes. Alors, on trouve ça sur... Jean Perron? Ben, moi? Vous êtes plutôt difficile à attraper dans le coin, parce que je dirais. Je parle pas beaucoup, c'est pour ça. Mais non, c'est parce qu'il y a tellement d'expérience. Je parle pas beaucoup, c'est pour ça. Mais sur ce site-là, donc, il y a des citations où les experts se trompent. On fait des sondages un peu débiles, un peu fous, je dirais. Comme, par exemple, on va demander si Canadien doit gagner la Coupe Stanley, alors qu'évidemment, ben oui. Bon. Mais sinon, on fait des articles à tous les jours, des articles où on rit un peu de ce qui se passe dans l'entourage du Canadien de Montréal. Des photos où on voit les joueurs du Canadien dans des positions un peu loufoques. Bien, on va regarder justement. Ben, oui, pourquoi pas. Route, ben, ouais. C'est un montage, lui, avant Madame de ça. Bien, ça, il faut dire que c'est mon double, parce que nous campons des personnages au spornographe. Moi, je suis Jean-Philippe Plot, mais je suis aussi pas le meilleur au coin dans une autre pas vie. Le meilleur au coin. Ah, oui, oui. Au centre. Il y a des petits. Et là, ici, on voit André Costitine à gauche et à droite, Chris Higgins. C'est lors de l'Halloween? Ou... Ben nous, on se dit que c'est un rituel d'avant-match. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit Dave Morissette, vous le reconnaissez sans doute, à gauche. Et nous, ce qui nous intéresse dans ça, c'est on se pose la question à savoir à quel endroit tout ça peut bien se trouver. Un endroit où on peut boire de la bière, suer à grosses gouttes, rencontrer Dave Morissette, et visiblement être dans de drôles de positions. Oui, c'est vrai que... C'est louche. Et encore? Et bon, là, vous avez reconnu Carey Price sans son masque, visiblement. Parce que la bière passe pas qu'elle a son masque. Oui, ça a l'air qu'il peut pas boire. C'est sa gourde, ça, qui est sur le... Ah, oui. C'est ça, c'est sa gourde. Et ça, c'est hier, après son blanchissage. Oh! Oui, les grands ballets canadiens. Et vous savez que... Les ballets russes. On dit souvent qu'Alex Kovalev est un artiste, alors là, il avait perdu son fameux pinceau. Et c'est Patrice Brisebois. Vous savez, parfois dans les voitures, on dit que ça sent le petit sapin vert. Bien, dans ce cas-ci, ça sent plutôt la coupe dans la voiture de Patrice Brisebois. Mais où est-ce que vous allez chercher ça, ces photos inusitées, ces situations? Bien, bien, vous savez qu'Internet est une espèce de grande foire où il se retrouve un peu toutes sortes de choses. Bien, c'est évidemment là que nous, on va chercher ces photos-là. Ce qui est un peu paradoxal, je dirais, c'est que le Canadien de Montréal exerce un très gros contrôle sur l'image que projettent les joueurs. Sûrement. Ah oui, j'imagine. Parce qu'on ne peut pas passer tout ce qui... Non, puis même quand on veut avoir un joueur du Canadien en entrevue, il faut vraiment s'y prendre longtemps d'avance. Il y a tout un contrôle, et c'est correct, parce que, bon, une entreprise comme ça doit soigner son image. Mais à l'inverse, on se rend compte que sur Internet, on peut voir vraiment les joueurs... quasiment en boisson. On a vu aussi Carey Price avec... Ah, parce qu'ils en prennent de la boisson? Bien, c'est ce que les photos disent. Quand tu gagnes la coupe. Mais bon, okay, on va juste cette journée-là. Ah, tu n'es pas qui gagne. Mais vous avez du vidéo aussi. Oui. On a du vidéo, je pense qu'on en a d'ailleurs, quelques extraits, où on va justement chercher les petits lapsus des joueurs et des experts, et on met ça... en fait, on fait un petit montage de ça. Et souvent, ça fait rire les internautes. On regarde ça. OK. Lors du dernier match, Ryder... Tu l'as eu, Bergie. Tu l'as eu. J'ai toujours été le gars qui a plus qui jouait, plus qui jouait mieux, alors... Après à connaître, il a justifié comme un joueur important au sein de cette équipe-là. On a fait ça. Il écoutait pas ce que l'autre disait, donc il était déconnecté. Probablement que, je vais aller à sa défense, le réalisateur a dû parler dans son écoutille en même temps que dans son Donc il n'y a rien entendu.
Puis il n'a rien compris. Alors, il ne pouvait pas rien rajouter. Ah, c'est vraiment drôle. Là, vous venez d'entendre dans son écoutier. Hein? Écoutier. Ah, ah bon, j'allais dire qu'on allait le mettre sur le site. Comme ah, ouais, pourquoi pas? Mais est-ce que vous parlez juste de hockey, me semblez? Bien, nous, on considère que le sport, c'est le hockey. OK. Bon. Et par-dessus tout, que le grand sport, c'est le Canadien. Ouais. Ah. Mais on s'intéresse, parce qu'évidemment, il y a des saisons mortes, hein, ouais, comme cet été, où il n'y avait pas de Canadien. Alors, on s'est intéressé, comme par exemple cet été, à la moto custom, à la pêche au brochet, des choses comme ça, mais toujours avec une lunette très hockey, très Canadien. Et souvent, on ne comprend pas grand-chose à ces sports-là, parce que finalement, on a des critères pour les regarder, qui sont des critères de hockey. Et tout le monde peut consulter, tout le monde peut aller ouais, sur vraiment, le site. Oui, vraiment, je pense que... Des statistiques, vous voulez dire sur le Canadien, tout ça, des chiffres. Ben, vous savez que les chiffres, on peut tout leur faire dire. Alors nous, on prend ça au pied de la lettre et on leur fait justement dire n'importe quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Claude Cadet, les gens pornographe. Merci. Pornographe avec un thé. Avec un thé, oui. Pornographe. Avec un thé. On s'en va à la pause et nous, on reçoit Giovanni Apollo après. Tu connais très bien.